Hello, je suis contente de vous présenter enfin l'album Désir qui est terminé. Donc, j'ai fait une vidéo avec les derniers embellissements qu'on a réalisés pour cet album. Je vous ai fait une petite vidéo des choses, du matériel que j'ai utilisé pour le faire. Voilà, maintenant je passe à l'action. Je vous montre cet album avec toutes ces belles dots. Regardez comme ça brille. Donc de la dentelle. Alors, à l'intérieur, il se déploie en plusieurs parties en fait. Donc vous avez le devant qui est aimanté ici. Donc ces images sont tellement belles que je les ai placées ici, sans rien dessus, pour qu'on puisse fermer la couverture aimantée et en même temps profiter des motifs qui sont superbes. Moi, je les trouve très très beaux. Ça faisait un moment que cette collection me faisait de l'œil, je vous l'avais déjà dit. Mais alors là, voilà quoi. Donc, vous avez des petites choses à mettre en déco. Ici, vous avez une petite pochette qui s'ouvre avec encore toutes les cartes que vous avez dans les embellissements et les blocs de papier. Toutes les pages sont aimantées. Ici, vous avez donc une partie qui s'ouvre et qui est aimantée comme ceci, avec un petit dépliant. On profite de ces jolies cartes pour mettre des embellissements comme ça. Et là, vous pouvez même cacher une photo encore. Donc, elle s'ouvre sur le haut, comme ceci. Et elle se déploie de droite à gauche, comme un livre. Vous pouvez mettre des photos ici en 10 par 15. Donc, vous en avez des jolies cartes. Hop, et ici encore un petit stop pour une carte, un emplacement photo. Donc ça, c'est pour cette première partie. Ensuite, on a donc la partie de droite qui est réalisée avec les mêmes éléments, mais de façon différente. Vous avez ici donc une place pour mettre des photos et encore hop, des petits dépliants ici sur la droite. On va ouvrir cette partie-là et on a ici encore des petits dépliants. Regardez comme c'est beau flamenco avec des fleurs, des roses, c'est magnifique. Là, vous avez encore une petite partie aimantée et du coup, celle-ci se déploie sur la hauteur. Vous avez de quoi mettre des pages, des photos à l'horizontale et encore une partie ici. Donc, ça fait pas mal de photos. Une petite particularité où je me suis bien amusée, c'est cette partie-là avec la fenêtre. Alors là, l'idée, eh bien, c'est de pouvoir enlever cette carte et de découvrir ici une photo. Donc là, vous pouvez coller votre photo, c'est un petit peu la cachette, et vous pouvez encore tirer cette partie-là et mettre une autre photo ici à l'arrière. Vous pouvez en mettre ici à l'arrière également. Et ici, mais la surprise en fait, c'est ça, c'est la fenêtre, cette partie-là qui coulisse et qui vous fait découvrir les photos. En même temps, elle est très belle cette image. Donc, on referme bien l'album. Donc, la partie ici, elle est aimantée et j'ai décoré toutes les parties. Regardez ces belles feuilles en entier. Pas besoin de les couper, elles sont trop trop belles. L'album est adapté à la taille des papiers. On optimise. Voilà pour ce petit éventail recto verso dont vous trouverez le tuto également sur la chaîne YouTube. Eh bien, ce projet sera en ligne d'ici une semaine. N'hésitez pas à commander vos fournitures pour pouvoir le réaliser. Je vous dis à très très bientôt et je vous laisse sur ma chaîne.